tout le monde les gens, c'est Rage Ghost, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate et que moi en tout cas, moi je peux vous dire que ça va bien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo, une petite qui vous fera sûrement très très plaisir. Une petite vidéo à l'Atlas, donc je sais plus si c'est l'Atlas, je sais pas quoi, 20 mm, j'en sais rien. C'est avec la taille de la balle, un truc comme ça, de 20 mm. Donc voilà, c'est pas n'importe quel gameplay avec cette arme là. C'est une vicieuse avec, je crois, un petit nombre de gunstreak, un truc comme ça. Donc voilà, une vicieuse à l'Atlas. Donc c'est le snipe le plus puissant, mais qui a des petits problèmes de visée, qui est un peu bizarre, on peut pas faire de nos scopes. Et quand on vise et tout, on peut faire des flashcops, mais c'est bizarre, on voit pas l'ennemi, limite quand on fait un flashcop, c'est trop bizarre. C'est comme si vous tirez avec un bazooka, donc c'est comme si vous faisiez une série de 30 avec un bazooka, donc c'est vraiment bizarre. Bon, après là, j'avais vraiment mes kills ici pour m'aider. Donc ça m'a bien permis de faire justement cette vicieuse. Après, je pense que j'étais pas bien loin de la DNA, mais je crois que j'étais mort pour un vieux truc ou la partie s'est terminée, peut-être plutôt ça. Donc voilà, c'est un peu dommage. Si je vous propose pas des DNA avec genre des armes comme ça, ou par exemple les fusils à pompe, ou les mitrailleuses, les snipers, là, vraiment des armes qui sont vraiment dures, et puis si je me contente de faire des vicieuses, c'est déjà pas mal. C'est quand même pas rien une vicieuse, enfin, c'est un peu comme MW2 quand on lance son mitrailleur hélico et tout. Donc voilà, c'est un peu pareil. Donc là, j'espère que ça vous plaira. Après, si vous êtes pas content parce que c'est que une vicieuse avec cette arme là, j'essaierai peut-être pour vous de m'appliquer à faire des DNA, mais pour le moment j'essaie de faire la vicieuse avec toutes les armes dures, et après secondairement on essaiera de voir pour les DNA. Donc déjà là, dans la map retruite en plus, donc c'est pas une map facile, mais pour le snipe, moi par contre je la gère particulièrement bien, donc j'espère en tout cas que vous allez pas trop m'engueuler pour justement avoir fait une perte bidon. Mais c'est pas une perte bidon pour moi, enfin je sais pas, enfin c'est pour vous, vous avez chacun votre avis, vous êtes grand, enfin, j'espère que pour vous avez votre avis, que vous avez le droit de dire votre avis, pas vous confier à moi et aux gens. Donc voilà, c'est pour le petit conseil. Donc le sujet de la vidéo aujourd'hui les gars, ce sera est-ce que ce jeu là, ce Call of Duty Advanced Warfare, est-ce qu'il va être aimé jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ce jeu, jusqu'à la sortie du prochain Call of. Donc à vous de me dire dans les commentaires, moi je vais vous donner mon avis de pourquoi il va, bah voilà, je vais pas vous dire tout de suite, je vous dirai après si oui ou non pour moi. Donc premièrement, pourquoi il resterait jusqu'au bout. Je vais pas vous dire mon avis tout de suite, mais vous allez comprendre que par déduction. Si ce jeu resterait jusqu'au bout, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que déjà Activision ou je sais pas quoi aurait réussi leur pari avec leurs exosquelettes de faire un mode qui pourrait convenir, enfin un jeu qui pourrait conviendre, je crois que ça se dit comme ça, à tout le monde. C'est-à-dire à la fois du rush, c'est-à-dire que les gens, le problème qu'il y avait sur les anciens jeux, c'était la camp, les explosifs, etc. Donc là, dans ce jeu, on peut voir déjà que au niveau de la camp, c'est beaucoup réduit par rapport à Call of Duty Ghost, où il avait des gens qui campaient dans les corners, mais H24, ils avaient tous leur cul en triangle. Hein. C'est la team cul en triangle en face, c'était abusé. Tout le monde était avec ça, avec une petite EI derrière. Là, on peut remarquer que grâce aux exos et puis à leurs compétences, et ben là, beaucoup plus de gens qui se permettent un peu plus de rusher, qui restent pas dans les corners et tout, qui se font vraiment plaisir avec un exosquelette. Et ça, franchement, c'était une bonne idée pour moi de Activision de faire ça, de nous permettre justement à la fois de pouvoir se déplacer plus vite, peut-être d'avoir plus de monde comme ça d'un coup, parce qu'on voit vraiment beaucoup plus d'ennemis par rapport à Ghost. Après ça dépend des games, franchement j'avoue que dans Ghost je faisais beaucoup plus facilement un plus de 100 kills, mais c'était quand je tombais contre des gens qui restaient pas dans les corners, et c'était vraiment des gens qui jouaient bien, même si c'était pas forcément haut level, mais c'était des gens qui jouaient bien on va dire dans leur déplacement et intelligemment. Donc voilà, après dans ce jeu là, les plus de 100 kills, ça y est j'en ai fait un, je vous ai dit dans la dernière vidéo que je n'avais pas fait de plus de 100 kills, c'est pas vrai, j'en ai fait un juste après cette vidéo. De toute façon vous la verrez pendant ma semaine DNA bon, parce que j'ai aussi fait une DNA dans cette game. Donc voilà, de toute façon je vous réserve tous mes beaux gameplays, je vous l'ai dit, je vous réserve tous mes beaux gameplays pour ma semaine DNA. Je vais sûrement faire d'ailleurs, si ça vous tente, une semaine DNA genre avec une DNA par jour, et la deuxième semaine une semaine vicieuse avec une vicieuse par jour.
Donc normalement celle-là, cette vidéo-là, elle aurait dû être dans cette semaine vicieuse. Mais bon, je vois que mes 2000 abonnés, ils arrivent pas vraiment très vite. Donc je suis obligé d'upload quand même des bons gameplays pour pouvoir les atteindre plus vite. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur ce sujet. Voilà, je vais y arriver. Donc après, vous faites votre avis ou pas. Moi, je pense que si ce jeu il est aimé jusqu'au bout, déjà c'est que les gens ils auront accepté les gens qui river blues tout comme ça et tout. Je voulais justement à propos de ça rajouter un truc par rapport au river blues que je n'ai pas dit dans mon ancienne vidéo, parce qu'il y en a qui ont dit des choses que moi je suis pas vraiment d'accord et que je suis à moitié d'accord en même temps. Enfin déjà les gars, peut-être que je l'ai pas dit dans mon ancienne vidéo, mais moi je suis contre le river boost. Vous entendez bien, je suis contre le river boost. Même toute ma team rage, on est contre le river boost. Je sais pas, vous plaignez tous de ça. On est tous contre, on est tous avec vous, on est tous contre. On est contre les Américains, on est contre le river boost. Mais le problème c'est que si eux ils font du river boost, bah nous on est obligés pour maintenir la qualité des gameplays. Je veux dire la qualité, pas forcément parce qu'il y a du river boost dedans, mais pouvoir maintenir la qualité de performance, c'est-à-dire des doubles et tout, des triples peut-être, et avec des certaines armes et tout. Donc voilà, on est vraiment obligé. Et puis je vais vous dire un truc, de toute façon, le river boost ça a toujours existé. Vous allez qu'à aller voir la vidéo de, on s'appelle de Bandidos, un gars de la rage, il l'a super bien dit. Je pourrais même pas, même si j'essayais de le dire comme lui, il l'a vraiment trop bien dit dans son commentaire. Que je vous conseille d'aller voir, c'est sa dernière vidéo en mode énervé là qu'il a fait sur le river boost. Il nous parle vraiment bien de ça et franchement il le dit vraiment bien et il explique vraiment pourquoi on fait ça, pourquoi voilà, pourquoi les gens de la rage font ça, parce que là les Américains voilà etc. Et surtout je vais vous dire la phrase qui m'a vraiment le plus mis de son côté, c'est à dire être contre le river boost, enfin même pas, c'est à dire la phrase qui permet de dire en gros que le river boost c'est pas non plus super grave. Donc je vais vous la dire, c'est en gros il disait que ça a toujours existé, sauf que vous ne le remarquez pas vraiment. C'est à dire en fait vous pourrez remarquer sur toutes les vidéos que font les gens, toutes les vidéos perf, c'est à dire double KEM, triple KEM sur BO2, les doubles nucléaires, les triples nucléaires, des 100-0, des plus de 100 kills, etc. Est-ce que vous pensez que ces gameplays là c'est vraiment contre des gens qui ont les mêmes sacs qu'eux? C'est vraiment contre des gens qui ont qui sont super forts autant qu'eux? Vous avez cru que dans un gameplay le gars qui est super fort, même plus fort que lui, va pas le tuer pendant toute la game et tout, va pas réussir à lui casser les couilles pendant toute la game? Mais c'est complètement fou les gars. Les gars, mais on est obligé sur au moins 20 parties de tomber, je vous le dis hein, sur 20 parties on est obligé de tomber sur au moins une fois une partie de noob. Sauf que voilà, là comme avec le river boost, au lieu qu'on tombe sur une partie sur 20 contre des noobs, on tombe peut-être 15 parties sur 20 contre des noobs. Donc voilà, c'est la même chose, le river boost ou pas river boost, c'est juste que ça accentue le fait que on tombe plus sur des plots, donc on a plus de chances de faire des DNA ou autres performances. Parce que de toute façon c'est pas parce que la partie où on tombe sur des plots quand on fait pas de river boost ou un truc comme ça, c'est les mêmes gens en face, c'est les mêmes triards, c'est des gens ils savent pas jouer, ils savent peut-être moins jouer même, j'en sais rien, c'est les mêmes. Ils sont pas plus forts, ils sont pas moins forts. Donc voilà. Excusez-moi, je suis un peu malade aussi, j'ai oublié de préciser dans le commentaire. Donc voilà, excusez-moi, j'ai vraiment envie de tousser, je peux pas m'empêcher. Et donc voilà, donc la vidéo bah, elle va toucher à sa fin. Vous me dites dans les commentaires votre avis sur ça justement, sur est-ce que ce jeu va tenir jusqu'au bout. Pour moi je pense qu'il va tenir les trois quarts, mais il ne pourra pas tenir jusqu'au bout parce que il va vous saouler au bout d'un moment. Vous allez tellement cramer ce jeu que le prochain jeu vous allez tellement avoir hâte que vous allez retourner sur les anciens Call of. C'est pas possible, n'importe quel jeu de toute façon, n'importe quel jeu vous le cramez pendant un an, même pas la moitié d'un an, c'est impossible. Tu vois, vous êtes obligé de changer de jeu, sinon vous en avez marre, vous en avez ras-le-bol. Sinon le jeu, faut vraiment qu'il soit innovant du début à la fin. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous allez liker, commenter pour répondre à mes questions. Et vous allez partager aussi cette vidéo pour pouvoir atteindre vraiment ces 2000 abonnés. Et donc voilà, c'était Ghostkiller. Allez les gars, bye tout le monde.